Typhon vert qui déconne encore, hein. Bon, on a l'habitude. Ça va être notre marque de fabrique. Ça va être notre marque de fabrique, pardon, ce petit fond vert qui déconne. Partie 2 de Dead Space. Dead Space 2, en mode survivant. On va passer tout de suite aux hostilités. On en était là. Alors, faut que je me refasse au contrôle, hein, parce que depuis... On est en train de faire visage, hein, qui n'a strictement rien à voir. Si ce n'est que nous sommes un peu dans... Nous sommes dans le Survival Horror. Mais là on est dans le Action Survival Horror. Donc nous en étions ici. À l'asile. Enfin maintenant là on est dans la ville. Et on a rendez-vous avec la nana dont je ne me souviens plus le nom. Ok. Hey Dana, un type bizarre essaie de me contacter. Je l'ai rencontré à l'hôpital. Nolan Strauss, ancien patient du projet, tout comme vous. Hein? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il veut? C'est un psychopathe, Isaac. Méfiez-vous de lui. Il a tué sa femme et son fils. Ok, j'ouvre l'œil. Oui, vaut mieux. Il a tué sa femme et son fils. Ok, j'ouvre l'œil. Oui. Moi aussi, je vais ouvrir l'œil. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arme? Que je me souvienne un peu, voilà. Bon, moi j'aime beaucoup le découpeur, hein. Vous le savez. Faut que je regarde, hein, ce que je... On n'a plus de cutter plasma, hein. Ce qui est un peu emmerdant. La stase, c'est triangle maintenant. Non, c'est toujours carré. La vie, c'est rond. Voilà, c'est ça qu'il faut pas que je me plante. Je fais un petit tour, hein, vite fait. Il y a souvent un truc à ramasser, genre là. Même ici, je suis certain qu'ils nous ont mis quelque chose. Hein. On le sait qu'ils ont rajouté quelque chose. L'état d'urgence générale est désormais effectif. Allez, on se casse. Ce genre d'ambiance me fait toujours penser à BioShock. Espèce de ville, hein, comme ça, confinée. Ok, bon là il y a... Ah si. Bon, les messages, on n'a toujours pas... On connaît toujours pas le raccourci, hein. Et puis, c'est la troisième fois que je fais le jeu, je vous avoue que j'ai pas forcément envie de les lire. On va se contenter de l'histoire principale. Allez là. Les logs à lire, c'est pas le plus intéressant. Surtout qu'ils nous répètent tout deux fois. On n'a pas vraiment besoin. Dana, je croyais me diriger vers les résidences. On dirait un lieu de recrutement unitologue. Je me suis perdu? Oui. Il y a un vieil accès de maintenance qui vous conduira jusqu'au tour Cassini par le système de tri des ordures. A plus. Oui, à plus dans le bus. Oui, voilà. Quantité dingue de messages. Merde, merde, merde. Mais j'ai tiré dessus. Oh. On a bien géré ou on n'a pas bien géré là, hein? Bon, c'est qui le patron? Oh putain! Allez! Ah, j'ai plus d'armes. Non mais on va pas crever face à un petit comme ça quand même. J'ai fait... Voilà, qui fait le malin? Tombe dans le ravin. J'avais pas vu que j'étais à court de munitions, putain. Ah, puis pour charger, c'est carré maintenant. Ils ont changé tous les boutons entre Dead Space 1 et Dead Space 2. Donc du coup là... À des moments... Putain... J'ai qu'une barre de... Ah oui, c'est le mode survivant, hein.
Là, on peut passer. Ok, mais bon, attendez, attendez. Il y a forcément des choses à looter, mais de toute façon, il faut qu'il y ait des choses à looter. En mode dur, on n'a pas le choix. Ça, c'est un truc qu'on peut ramasser, ça. Je sais plus. Enfin, je veux dire un truc caché, mais peut-être pas, je sais plus. Mais ça y ressemble. Ça me dit quelque chose. Mais bon, je dois me tromper. Peut-être. Oui, donc on passe de l'ambiance survival horror Ça c'est un piège hein. Dès qu'on va s'approcher des caisses. Enfin, j'en sais rien. Je me souviens plus du jeu. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai terminé déjà deux fois, mais il y a ça très longtemps. Il y a ça très très longtemps. Je recharge mon... Attends, faut que je m'y fasse, hein, que ce soit carré pour charger. On est bon là. On va utiliser ça pour pas perdre de... Faut utiliser moins de munitions possible. Ok. Vous qui regardez ça, écoutez-moi bien. Oui. Vous pouvez récupérer les manques coupants par kinésie pour ensuite les retourner contre eux. Regardez. Regardez bien. Ah, on est au courant. Ça fait 3 heures que je survis comme ça. Vous voyez ? Retournez-les contre eux. Je me fais pour ça. Ces salauds m'ont pas loupé. C'est une façon intelligente de faire un petit peu du tuto. D'aller par là, mais là, j'ai envie de voir ce que c'est. C'est fermé. On est bien avancé, ma petite dame. Il faut qu'on trouve de la vie. On peut ouvrir tout en ayant la stase. Déjà on va looter. Ah, c'est bon, là on commence à se rappeler des sous la touche. Il va falloir actionner ça. Tunnel 1, tunnel 2, ok. Bon, déjà on fait une petite save. Je crois pas qu'on ait de points de force. Hein. On est déjà au chapitre 3. Je regarde si on a un point. Je crois pas. On en a deux. Mon dieu. Découvreur forgé, moi j'aime beaucoup. Hein. Tir alternatif. Cela augmente les dégâts de tir alternatif. On s'en sert parfois. Le javelot sanglant, il est très bien quand même. Hein. Dommage. Là, ça c'est la recharge. Tir alternatif. Chargeur massif. On va lui mettre un coup de dommage en plus. Voilà. On va se focaliser quand même sur une arme en particulier. Attente. Utilisation du diagnostic du compacteur d'ordure 752. Compacteur désactivé. Entrée totalement sécurisée. Ouais, bien sûr.
complètement sécurisé, j'y crois pas trop. Hein. J'y crois pas trop. Allez, venez là. J'ai tiré ? Quel con. Quel con. On va rester là-dessus. J'espère que le son du jeu est pas trop fort. Appuyez sur RS, décoller. Voilà. Là, alors là, c'était tout nouveau par rapport au premier. C'est que là, véritablement, on peut aller où on veut, quoi. C'est grandiose. Alors ça, c'est pas de refus. Je regarde un petit peu autour de moi. Si je loupe rien d'essentiel. Excusez-moi, hein. C'est un petit peu regarde vite fait. C'est pas un speedrun, hein, vous l'aurez compris. On doit aller là. Appuyez pour atterrir, oui. C'est pas là où on doit aller ? Non. Attendez. Ah non, c'est... Voilà. Toi, tu restes là. Attendez, mais il y a... Oui. Il nous dit d'aller ici. Nous, on venait de par là. Je tentais d'aller voir... Là, c'est d'où on vient, là. Mais il y a quoi ici? Allez. Ah, voilà. J'ai bien fait. Il y a un petit point de force. Et des petites munitions. Non, non, mais il faut absolument qu'on fasse ce genre de conneries. Parce que, enfin, qu'on soit curieux. Parce que... On a besoin absolument de munitions. Hein. Aller plus vite, non. Ah, on peut toujours, là, on est toujours en mode... Alors, appartement Cassini, tunnel 1, agrégation refusée par le système sanitaire. Activé. Ah, parce qu'on doit passer par le... Ce conduit. Donc maintenant il est ouvert. Ok. Comment on court déjà? Ah, c'est là. Ça va être sympa. Sur AB pour accélérer. Je le fais ici pour voir. Ouais, voilà, c'est ça. Très bien, ça s'est très bien passé. Ça s'est très très bien passé. 1, 2, 3. Je m'entends pas bien dans le micro. Je vais mettre le son un peu plus fort de mon côté. Voilà. Là, je m'entends mieux. Voilà.
Je vais dormir sans moi. Je veux dire, la luminosité. Je vais rester sur mon trancheur. J'aurais dû garder la petite arme là. Ça me fait économiser quand même une bastos. Je me souviens plus du tout du jeu, hein. C'est pour ça que je suis en mode tâtonnage. Bon, les éternelles batteries qu'il faut placer. Oui, on utilise un point de force. En général, on le regrette pas. Voilà. En plus, il nous rembourse avec un semi-conducteur bronze qu'on peut revendre. Bon, ça fait pas 10 000, mais... ça nous rembourse un peu quand même. Mais je crois qu'on peut pas acheter de... Parce que là, je pense à ça, mais on peut pas acheter de point de force, hein. Dans cet épisode là. Ah oui, non, mais je l'ai pas fait, je suis idiot. J'ai ouvert le truc, mais j'ai pas. D'accord, il est où? Attendez, il est où? Passer devant, j'ai merdé. Ça serait pas impossible, hein, je suis pas. Oui, en plus là il y a un plan. Enfin, pas un plan, mais il y a un truc de stock. On va rallumer tout ça. Il est où? J'ai envie de m'emmener avec moi, hein, parce que sinon on va. Ils vont se pointer, hein. Le jeu est drôlement sombre là. Hein. Je vais aller faire un petit tour dans les options après pour voir si c'est normal. Même maintenant. Paramètres, graphisme, résolution. Bon, ça c'est parfait. Qualité graphique haute, luminosité. Ajuster le niveau de façon à distinguer le logo au centre de l'écran. Voilà. C'est un petit peu mieux. Pas certain. Attendez, c'est vraiment trop sombre là. Paramètres, graphisme, luminosité. Accepter. Non, non. Accepter. Est-ce que c'est plus clair là? Putain, j'ai pas l'impression aussi, un tout petit peu, mais bon. Tout à l'heure, on jouait vraiment, c'était vraiment trop sombre. Il y a un truc à ramasser là. Bon, non, mais sans déconner, il est où ce. Il est bien gentil. Ah, il me dit que c'est par là. Ce sera pas la première fois qu'on aura perdu un peu de temps. Le jeu drôlement sombre par rapport au 1. Oui, c'est quand même un peu plus clair. Mais je vois pas où il est. Ah, mais c'est là, oh là là. Très bien. Et le plan ne. Par contre, le plan ne marche pas. Enfin, le stock ne marche pas. Ok.
Voilà, on en revient. On va y arriver, on va y arriver. Par contre, je suis pas sûr d'avoir choisi la meilleure tenue. On verra ça. Oh, puis il me refile un point de force, donc c'est parfait. J'ai l'impression que le jeu est bien plus généreux en point de force, hein, du moins. Ouais, le jeu est un brin sombre, hein. Je vais le remettre encore un peu plus, hein. Je le vois sur le retour, ça va pas. C'est pas... Peut-être mon écran ou je sais pas. Au niveau de la capture. Voilà, là c'est quand même plus... Même pour vous, c'est un petit peu mieux, quoi. Là vraiment, vous... Alors ça je sais plus comment s'en débarrasse. Le mieux c'est d'avoir une... Parce que là ils peuvent me tuer très rapidement. Voilà, genre, là j'ai... Ah, j'ai perdu de la vie pour pas grand chose, hein, franchement. Je m'en veux. Appuyez sur. Je sais pas ce que c'est que ce bouton. C'est un mystère. Mais bon, c'est pas. Je me souviens que c'est pas très intéressant. L'histoire va nous être contée de toute façon. Le background de Dead Space 2 est pas très intéressant. Autant dans le premier, bon. On s'y attardait, mais là, dans le deuxième, bon, mythologie, tout ça. D'une façon générale, j'ai préféré le premier. Le deuxième est beaucoup plus beau, beaucoup plus action. Et je regrette le fait qu'il parle, Isaac. Voilà, je l'ai déjà dit, mais je pense que c'était pas une bonne idée. Il aurait fallu le laisser silencieux de bout en bout. Embrace the evolution, take us. We are dead. Ok. Ah, j'ai encore des flashbacks foireux. Une petite balle, hein. Je le cache pas, hein. Bah, quand il tire la chasse d'eau, ça fait du bruit, hein. L'idée m'aurait traversé l'esprit, hein, de me tirer une petite balle, hein. Je veux dire, genre de petit flashback comme ça, pas sûr que j'aurais été assez solide. Ok, on a fait le tour, j'ai quand même envie d'aller voir. J'ai un don pour me perdre, mais c'est rare. C'est une faculté que j'ai développée. Un don comme ça. Il y en a six, hein, c'est pour retrouver leur chemin. Ah, ah putain, le monolithe. Dana, les soldats de Time-Mind sont là. Ils me cherchent avec un hélico. Vous y êtes presque. Plus vite. J'ai une sorte de patience zéro, c'est ça. Ils veulent... Je me souviens plus de l'histoire. Ça, on le ramène ici. Oh putain. Et je me suis planté de bouton pour faire la stase. Appuie sur Y quand vous montez de stase. J'en ai de la stase. Ce qui me manque, c'est de la vie. Voilà. Merci.
La stase, c'est plus Y? Si. Vrai que tout à l'heure, j'ai oublié de faire la stase. Et... Ah, mais c'est ça, quand on joue pas pendant quelques jours et puis qu'on joue à quelque chose de complètement autre dans le concept. On va garder celui-ci pour le moment. Oh, je sens que ça va être du fight là. Hein. Évidemment. Et j'ai souvenir que j'étais mort en boucle. Donc oui, ce petit truc là, rien à voir. On le retrouve ici, une serre stricte. C'est pas un truc caché ou quoi. Il m'est tombé dessus, quoi. Il m'est tombé dessus. Il faut absolument se faire le... Vous l'avez compris. Il faut absolument se faire le... Le petit. Faut le staser. Faut absolument faire le petit avant qu'il transforme tout le monde en zombie. Là, le papillon, c'est vraiment... C'est l'enfer. Mais allez! Mais merde! Putain. On n'a pas le droit à l'erreur. Et... J'ai plus de vie. Non, non, mais il faut que je le tue, hein. En premier. Allez, mais stage le bordel. Putain, je me suis encore fait baiser. Pas mal. Ah, parce que là ça peut être vite l'enfer s'ils commencent à les tous les rendre en... Comment on se remet de la stase? Merde. Ils disent appuie sur Y mais moi je suis pas genre... C'est bon, on a réussi hein. Vous savez quoi, moi je fais une sauvegarde, j'ai pas confiance dans leur checkpoint. C'est peut-être pas une bonne idée parce que vu que j'ai utilisé ma stase, bon ça coûte rien. Et je me souviens que j'avais galéré avec quand je l'avais fait il y a quelques années. Et parce que j'avais pas tué le papillon. Et le papillon faut le tuer tout de suite, sinon il va sur chaque cadavre et il les réanime.
Alors là, évidemment, on peut réécouter tout. En 2214, le géophysicien Michael Altman fit une découverte qui allait changer l'histoire. Effectuant des recherches sur Terre dans le cratère de Chicxulub, il découvrit le don d'un dieu extraterrestre, le monolithe. Le monolithe lui révéla le secret qui devait unifier l'humanité dans le futur, pour sa gloire. Ok, bon, ça c'est pas trop long. En très grand nombre, les gens voulurent en apprendre plus sur le monolithe et l'unité promise, après que Michael Altman eut fait part de sa découverte. Mais le message d'Altman ne plaisait pas à tout le monde. Et le 15 mars 2215, il fut assassiné et devint ainsi le premier martyr de l'Église. Il est mort, Altman. Les fidèles d'Altman le pleurèrent, mais virent la lumière dans son vœu d'unité. Refusant que la vérité soit cachée aux yeux du monde, ils fondèrent l'Église d'unitologie pour la répandre. Et l'Église est aujourd'hui présente dans toutes les parties de l'univers connu. Son message est aussi puissant aujourd'hui qu'à l'époque de sa révélation par Altman. Les croyants se comptent par milliards dans toutes les classes, sociales ou culturelles, et leur rang s'agrandissent toujours. Comme on lit pas les logs, enfin les messages audio, autant se taper au moins un petit résumé. Petit groupe local de mineurs dévoués, l'église d'unitologie de Titan s'est développée selon les préceptes fondateurs d'Altman, notre maître tous. Elle compte l'une des plus belles églises de tout le système solaire et accueille régulièrement nos banquets d'audition unitologues. Mais combien de temps j'étais endormi, moi, pour qu'il y ait tout ça? Dans l'attente de la convergence, nous devons continuer à nourrir notre relation au monolithe afin de comprendre ce qu'il nous réserve pour le futur. Le monolithe nous appelle. Il est de notre devoir de lui ouvrir notre cœur et notre esprit. Bien sûr. Ça m'intéresse pas, moi je suis catholique. C'est Timeman ! Ils sont là ! Entrez dans l'église, vite ! J'ai voulu justement faire le malin en me disant tiens, je vais passer derrière le monument, comme ça je serai protégé, je serai à couvert. Que nini. C'est Timeman, ils sont là, entrez dans l'église, vite. Dana, l'église d'unitologie? Pourquoi? C'est l'un des seuls endroits que Tideman ne surveille pas sur Titan. L'église est séparée de l'État. Non, Dana, on ne devrait pas. C'est le dernier endroit où je voudrais aller. Isaac, mon frère s'est sacrifié pour vous sauver. C'est très important. Ça doit marcher. Je suis dans une salle en haut de l'église. Venez là, ok? Ok, on arrive. On arrive, Lena. Utilisez le tracer pour trouver des points de sauvegarde en plus. Utiliser un avec le traceur, alors comme ça. Stock. Ah oui, voilà. Plan. C'est ça que j'essayais de faire dans le 1. Sauvegarde. Objectif. Voilà. C'est de ça que j'essayais de faire dans le 1, mais dans le 1, il n'y avait pas encore. Il n'y avait pas encore ce petit truc. Qui est très pratique. Bon, il faut que j'ai de la bouffe. J'ai bien fait de mettre plus de luminosité, hein. C'est vraiment très très sombre. J'en chie. Bienvenue dans le hall d'unité. Cette salle abrite les textes sacrés et constitue un lieu privilégié pour s'informer sur les dernières recherches dans le glorieux monolithe noir. J'en ai que deux, hein. Quoi que je fasse le coup.
Il est bien pratique hein, ce truc, c'est dommage qu'on puisse pas les récupérer. Dans mon dos là? Non. Oh là là. Putain, au niveau ressources, on va être chaud chaud. Heureusement qu'on l'a pas fait en mode fanatique. Déjà là, moi, ce survivant en mode dur, c'est bien. Ok. On va rester sur la trancheuse. On va les démembrer parce que des fois, voilà, exactement. Ils redonnent des choses. Ce qui n'était pas le cas dans le 1. Il donnait tout de suite quelque chose. Pas hésiter à staser. Hein. La stase revient. Si là il y a un truc à looter, hein. Je suis désolé. Faites pas le coup. J'ai pas de vie. Je ramène les corps parce que j'ai peur qu'il y ait encore un papillon. J'ai pas envie de tout me refaire. Ok, je pense pas qu'on ait oublié quelque chose. Hein? Je pense que là on est. Bon, ça va, ça s'est pas trop mal passé. Sauf qu'on a pas de vie du tout. Ah ouais, régulièrement la stase remonte. Chose qui n'était pas dans le. N'était pas mis en place dans le premier opus. Bon là je... Ok. Je vais me remettre de la stase. On va recharger. Très bien. Oh, t'avais dit que tu serais là, la gonzesse. Elle est pas là. Non, elle... Ah, ça oui. Merci. On en avait vraiment besoin. Ok, bon, toi t'es mort. Là, on a... C'est quoi? Ah, c'est une petite... C'est une petite... On peut le mettre dans ça? Non, pas du tout. Faut qu'on l'emmène là-bas. Ah non, faut qu'on le mette ici. Ok. Alors, salle d'observation. Oui, très bien. Oui, on pourrait mettre ça là. Veuillez replacer le fusil de la porte du centre d'observation. L'église condamne les actes de vandalisme. Ah non mais il est là. Des fois
fois je suis un peu con-con, hein. Faudra pas m'en vouloir. Voilà. Je me souvenais de ce petit trick. C'est-à-dire, on a cassé la vitre, il y a eu une aspiration. Non, je suis pas sûr que là j'ai bien fait. Il va, au moment où je vais passer, il va. Putain, j'ai cru que ça allait me le prendre sur la tête au moment. Bon. S'il me donne du javelot, c'est qu'on va avoir besoin du javelot. Save qui fait plaisir. Les sauvegardes sont relativement rapides, hein. C'est très agréable. On a trouvé un chemin de tenue niveau 4. Bon, ça nous intéresse évidemment. C'est des petits cercueils, pourquoi? C'est pour les bébés, ça? Bon, pourquoi pas. Là, il y a un petit magazine de scientifique. J'ai bien fait mettre le jeu un petit peu plus de luminosité, hein, parce que vraiment vous sur le retour sinon ça aurait été malheureusement un petit peu trop sombre. Et nous on cherche le confort. Oula. Eh dis donc, c'est mon. Nicole, tu vas pas me tuer quand même. Souviens-toi des gosses, souviens-toi du pudding le dimanche. Il a des petits problèmes, Isaac. Si un jour ça vous arrive, hein, à ce niveau-là, faut consulter là. Encore une fois, je suis pas expert, mais je pense que c'est le moment de consulter. Tendu là. Mais l'idée est bonne. On voit ça dans des films d'horreur, évidemment. Mais celle-ci était pas mal. La première fois, je me souviens, quand j'ai découvert le jeu, elle est bien aimée. Romain l'avait bien aimé. Détruisez des fusibles pour désactiver des verrouillages. Bien sûr. Et déjà, je recharge. Il me demande d'aller par là, mais nous, on va aller par là. Ouais, donc du coup, c'est plus court. Ouais, on revient d'où on était, en fait. Ce sera pour plus tard. Non, parce que j'aurais pas loupé des points de force, enfin des choses essentielles pour notre progression. Et on t'a vu, toi. Bon, on va y aller. Il veut pas le prendre, il veut pas le prendre. Hein. Parce que je veux dire. Ok. Ça m'a l'air drôlement joli ici. Le jeu tourne parfaitement. C'est marrant, hein. Autant là, il est au maximum, c'est comme Dead Space 2. Autant Visage qu'un jeu Kickstarter, et bien parfois. Il me fait ramer. Bah, c'est l'encodage. Là, le jeu est parfait. Hein. C'est vraiment. Plus là, je peux le mettre vraiment au maximum. Bon, c'est pas un jeu tout récent non plus. Hein. Puis j'ai pas une bécane de course, mais je suis très. Agréablement surpris là. C'est la première fois que j'y joue sur PC. Il est très très beau. On peut le prendre à travers? Ah, évidemment que non. Et si? En étant malin. Allez, on y va. On t'a vu? Non mais c'est on perd des munitions pour rien, c'est du leurre. Putain, j'ai tout perdu. Et maintenant il va se pointer. Quand on n'a plus rien. Ah, je le sens pas cette pièce.
Je la sens pas cette pièce. Je vous le dis comme je le pense. La stase est sur triangle hein, maintenant. To join is to survive. Mon accent. Qu'est-ce que je vous avais dit? Dana, c'est bloqué. Il y a quelque chose, la porte est cassée. Ok, je vais essayer d'ouvrir toutes les portes du coin. Vite, il y a autre chose là. Toujours aussi efficace, hein. Attendez, il faut que j'aille. Le mode survivant hein. Le mode survivant. Bon, à mon avis, ils ont dû être sympas, me mettre un checkpoint. Tiens, j'ai oublié de mettre le logo de Dead Space sur le... Non, non, mais bon, maintenant, c'est bon. On sait comment faire. On va reprendre juste tout ça. On va les staser. On va utiliser ça. Pour être sûr de les tuer en un coup. On a mis le... J'ai l'impression qu'il m'a remis de la vie. Peut-être pas, peut-être que c'était le double soin de tout à l'heure. Donc là on se dépêche un petit peu plus. On peut quand même prendre ça. Mais ça nous fait perdre du temps, allez. On n'est pas là pour speedrun, mais... Dana, c'est bloqué. Il y a quelque chose, la porte est cassée. Ok, je vais essayer d'ouvrir toutes les portes du coin. Vite, il y a autre chose là. Il est arrivé par là, mais maintenant il n'y est plus, évidemment. Bon, on meurt pas ici, hein. J'ai pas envie de le faire en boucle. Je vous mens pas, hein, voilà, je vous dis la vérité, ça me stresse et du coup j'ai le son à fond dans le casque, ils hurlent alors que c'est pas difficile là. On vient de terminer Dead Space 1 en dur, on a l'habitude, mais et en fait les contrôles ont changé et du coup pour changer d'arme, enfin bon bref, j'ai pas d'excuses, mais ça va le faire. Ils sont pas si dangereux que ça, c'est bon. C'est fou, hein, tout à l'heure on a passé une salle où c'était censé être complexe. Ça s'est bien passé. Là d'un coup... Puis j'ai tiré trois fois dans le vide, enfin n'importe quoi. Je vais essayer d'être un peu moins dur avec moi-même. On joue en mode survivant, c'est normal de mourir. Dana, c'est bloqué.
Il y a quelque chose, la porte est cassée. Ok, je vais essayer d'ouvrir toutes les portes du coin. Vite, il y a autre chose là. Allez, montrez-vous. Putain. J'ai plus Stas. Je peux rien faire. C'est chier. Qu'il était mort. Et j'ai pas voulu prendre cette arme là, je voulais prendre le. J'ai voulu prendre le découpeur. Non, j'ai pris le découpeur, mais je voulais prendre le javelot. Bon, allez, c'est la bonne, on arrête les conneries. Le jeu, autant on a fini le premier là en hard, autant le deuxième me stresse autant. Hein. Pas de. Dana, c'est bloqué. Il y a quelque chose, la porte est cassée. Et j'arrive pas à. Je vais essayer d'ouvrir toutes les portes du coin. Vite, il y a autre chose là. Regardez celle-là, elle est vraiment puissante. Allez, ramenez-vous là. Que ça affiche. Ils viendront pas. Hein. Putain, il était stasé. Putain. Je peux rien faire pour. En deux coups on est mort, donc évidemment. Alors il me donne quand même des dents de trancheur, donc il m'invite à les utiliser, hein. On est bien d'accord. Non mais c'est moi qui merdouille. J'aurais pas dû lui courir après. Ils sont très rapides. Quand on a un dans le dos et un devant. Ça, c'est les tuer en un coup, hein. Si vous me voyez. Dana, c'est bloqué. Il y a quelque chose, la porte est cassée. Ok, je vais essayer d'ouvrir toutes les portes du coin. Vite, il y a autre chose là. Thank you.
faire pour... Fais chier ! J'ai ma stase, hein. De l'église, puis passer par la crypte. Attention, il est capital. Capital de quoi ? Non, non, le gouvernement n'y fait pas. Dana, Dana, qu'est-ce qui est capital ? C'est pas par vengeance hein, que j'ai. Il y a un peu de ça aussi, mais c'est que ils lootent, on peut les looter que quand ils sont complètement vraiment démembrés, quoi. C'est pas compliqué, mais bon, voilà. Il fallait pas aller à leur rencontre. Par contre, comme ils ont ouvert ici, je crois que... ça a ouvert un accès où on n'avait pas... Enfin, voilà. Où on n'avait pas accès, voilà. Genre ça. Oui, bah en fait, c'est ça. C'est la suite du jeu. Tout simplement. Merde quoi, j'étais pas dans le bleu là? Non mais oh, je suis dans le bleu. Putain et oh, genre on meurt là, vous voyez, et on se refait tout. L'enfer. De force. J'aime bien qu'il s'est appelé ça le point de force. Souvent dans les jeux on se souvient plus des noms qu'ils donnent aux choses. Dans Dead Space on se souvient de tout. On se souvient des sons. On se souvient quand on se remet de la vie. Espèce de petit son bizarroïde. Cérémonie. Son architecture est pleine de symbolique et les plafonds sont fabriqués à partir du sable de la lune de Jupiter, Io, d'où leur valeur inestimable. Laissez-vous porter par l'amour de ce lieu comme tant d'autres avant vous. Eh ben je vais me laisser porter par l'amour de ce lieu comme tant d'autres avant moi, puisqu'on m'y invite. Oh, effectivement, je me sens porté par l'amour du lieu comme tant d'autres avant moi. Certainement comme tant d'autres avant moi. Foyer, ouais, chapelle de réunion. Là j'en ai 7, hein, ça c'est cool. On va l'utiliser quand vraiment, quand dernier recours. Avant on regarde vite fait. Ça c'est le truc des souvenirs. Oui, ça, là, ça nous permet de revenir au début du jeu quoi. Au début de... Ah mais du coup... Ça on l'a pas eu. Oui, un message encore, on s'en fout. Et surtout un point de force. Et une petite, un petit frisson. Ah c'est bien, il nous donne, il nous rembourse. Non, c'est pour ça que je m'aventure. Hein. C'est pour ce genre de choses. Isaac, vous voyez aussi les symboles. Ils veulent dire un truc. Oui, je vois les symboles. On est un risque pour eux. Je le sais. Il faut qu'on s'entraîne. Comment ça? Qui sont-ils? Tideman, on est? Strauss? Répondez, Strauss! Ils ont tous des noms de juifs, c'est rigolo. Isaac, Tideman.
Alors ça, je sais pas comment faire. Le mieux, c'est de les éviter. Hein, je pense. Voilà, là, je pense qu'on a bien joué. Là, je pense que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Puis on s'est remis de la vie. Parce que là, les petits, je n'ai pas le shockwave là pour les souffler. Épisode 5. Ah, on enchaîne les épisodes, mais il y en aura combien? Il y en aura 22 du coup. Je me souviens plus. C'est la première fois que je finis un jeu trois fois. Hein. Enfin, que je tente de finir un jeu trois fois. Bloodborne. Bloodborne finit deux fois. Et une troisième fois aussi. Mais je crois que j'ai pas terminé. La troisième run. Ok, moi je suis toujours dans le sens où on nous dit de pas aller. Oui, en fait ça revient même. On va garder le découpeur. Bon, par contre ils ont repris exactement les mêmes idées que de Dead Space 1, mais ils ont sublimé la chose dans le sens où c'est beaucoup plus joli. Mais sinon, rappel à l'ordre. Bon, ils ont sublimé le jeu et tout, mais du coup c'est quand même une version 1.5 quoi. Il y en a qui le préfèrent. Moi je préfère le premier. Je préfère le premier, ils ont tout inventé. Là, vraiment il est plus beau, et puis aussi le fait de le déplacement en apesanteur, c'est vrai que c'est bien mieux fait. Ouais. Mais sinon c'est... Je sais pas, il y a quelque chose dans le premier qui me plaît plus. Peut-être parce que tout se ressemble, que Isaac parle pas, voilà, c'est ça. Je trouve qu'il est plus flippant. J'ai peur d'avoir oublié quelque chose ici, allez. Eh ben voilà. Exactement. Non, puis c'est jamais trop quoi. On va rester sur ça, trancheur. Non, faut véritablement fouiller un petit peu, hein, parce que bon, on est limité. Hein. Là, l'inventaire, on n'a plus de vie. Hein. Dessus, hein, mais... Faut que je regarde ce que je ramasse. Hein. Au lieu de bêtement donner un coup et le prendre. Alors là, c'est quoi? Voilà, recharge de stase. Non, parce qu'après, je sais plus quelle munition j'ai pour de disponible pour le jeu. C'est important de savoir. En tout cas, c'est très très bonne idée que j'ai eue. Oh. Je me flatte un peu. Ah, ça va. Très très bonne idée que j'ai eue, ou d'alterner entre deux survival horror, enfin, dans le monde, deux jeux horrifiques, on va dire. Un action Dead Space 2 et le soir à 11h, visage. Oh putain! Oh,
l'alliance des deux est parfaite. Ah, ok, j'ai compris. C'est Y pour me remettre de la stase. Si j'ai de la stase. Évidemment. Allez, radine-toi l'autre. Voilà, c'est bon. Je maîtrise un petit peu mieux là, ça revient. Je me souviens que c'était un jeu bien plus ardu, hein, notamment à un moment donné, sans spoiler, il y a un ennemi qui se régénère, comme dans le premier d'ailleurs. Bon, c'est compliqué. Hein. Fait jeu la sécurité, je me doutais qu'il était congelé mais en fait il l'était pas vraiment. Enfin, ça l'empêchait pas de vivre. Là y a rien, ok. Faut se méfier de tout. Hein. Et j'arrive à me faire surprendre, hein. C'est ça qui est... Le jeu est vraiment bien fait, on s'y attend pas malgré quand on est un joueur... qui a l'habitude des survival horror. Le jeu me surprend encore à chaque fois. Ok, on a un message. On va le lire celui-ci, il a l'air d'être important. Putain. Cercueil bloqué. Problème, cercueil de la crypte bloqué sur les voies. État, voie d'arrivée des cercueils examinés, un cercueil coincé à l'intérieur. Gravité rétablie, cercueil déplacé par télékinésie endommagé. Allez, on s'en fout. Dana, elle est aux toilettes. Ou elle fait du shopping. Elle va revenir. Oh, je me souviens que je m'étais pris la tête avec ce truc-là. Je sais plus pourquoi. Il faut monter. Vous m'entendez ? Vous devez monter. Découpeur chez Maki. Télécharger stock. Je me souviens que je m'étais pris la tête parce qu'il fallait... Oui. Il fallait le mettre d'une certaine façon. Et j'ai pas bien compris. Un petit point de force, ça fait toujours plaisir. Voilà, ça va me refaire la même chose, c'est-à-dire que je comprends pas ce qu'il me demande. Ah voilà, oui, pardon. Peut-être que j'avais pas fait ça aussi. Ça, ça a servi. Ouais, on n'a pas besoin de le staser en fait, ce truc là. Enfin, j'ai quand même souvenir qu'il fallait le staser. Hein. On va voir là, le jeu me dit de remonter. Oh, oh, oh. Ah bah non, on peut plus remonter. Je sais bien ce que je me disais, c'est que...
Les capteurs... Ah, les capteurs de chaque anneau. Voilà, voilà, c'est ça, c'est bon. Ah bah c'est bon, j'ai eu un bol fou. Pour les autres. Bon là j'en ai eu un petit peu plus de bol, mais je vous assure la toute première fois j'avais pas tilté le truc. J'avais passé 1000 ans ici. Voilà, et puis là il y a le troisième. Ouais, la toute première fois vraiment, je sais pas, c'était moi qui étais con comme d'habitude. Ou alors c'était pas intuitif. J'avais vraiment bloqué. Bon là ça fait 3 fois que je fais le jeu donc ça va. Ça me revient tout de suite. Ce qui est pas une idée idiote en plus hein. Mais je sais pas, je... Voilà. Dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas qu'on puisse pas passer par là. Ça m'aurait plu. Mais l'idée est bonne. Mais j'avais pas regardé en l'air. Ah ça va, on peut pas être bon en tout hein. On peut être excellent dans le gameplay et bon dans les énigmes. Bon maintenant où on doit aller? Voilà, pas tout simplement. Oh putain. J'espère qu'il y a un checkpoint. Ouais c'est bon. J'ai pas fait gaffe. Voilà, bah voilà, ça c'est... Ok c'est bon. J'ai pas fait attention. C'est ma grande faute. Allez on monte. Merci. Ah quoi? Oui. Ah bah t'es gentil. Me laisse pas passer. Mais alors attends, on va virer le... D'abord on va virer le coffre. Et il veut pas. Ah si. Quand même. J'ai eu peur. Et à un moment donné, il est bien gentil mais... Ok. Là, il y a un petit message, un schéma. Kit de soins moyen, ça c'est bien. Le casque, on va s'en passer. Sortie zone sans gravité. Ah bah voilà. Isaac, saloperie. Ils servent d'un appareil mobile pour brouiller le signal. Que quelqu'un me trouve la fréquence de cette saleté. Ils ont sûrement un hélico pas loin de l'enclos. Alors, on fait quoi? Bon. S'ils savaient où on se cache, on serait déjà mort. Oh merde! On perd le... Mais encore. J'ai pas bien compris Edna, hein, ce que tu me dis. Lena, pardon. J'écorche son nom, elle va plus vouloir me parler. Bon. On continue par là. J'achète quand même, je suis désolé. Hein, j'achète quand même J'ai la télé de sécurité. Kit de soins moyen. Ça m'intéresse. Hein. Je suis désolé, mais là, tenue de sécurité, nous la faut. Hein. On est dans le caca. Hein. Vous le savez. Hein. Tenue d'ingénieur, elle est où? Vous la voyez, vous? Tenue sanglante, tenue forgée. Tenue de sécurité étatique. Bonus de stase dû augmenter de 5%, 15 emplacements d'inventaire et 15% d'armure garantie. On prend ça. Allez, regardez, on va être beau là. Vous êtes prêts là? On va être très beau. Parce que là, on est un peu léger au niveau protection. Hein. Je vous le cache pas, en mode survivant. Un petit peu de mal. On meurt en deux coups. Hein. Alors, je veux bien être gentil, mais. Bon, on a l'air d'un. Ah non, elle est pas aussi jolie que j'imaginais. Ça fait un peu Samu, quoi. Bon. On a de la protection en plus, c'est ce qui compte.
Et on va s'acheter un petit kit de soins. Hein, juste ça. Voilà. On en prend deux. Et voilà, et on se casse. On la joue vraiment hard rock. Mais juste un petit peu de protection. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait pas de mal, quoi. On a deux points hein, de force. Je suis d'avis d'augmenter la puissance de notre découpeur. Parce qu'il est quand même drôlement... Si on peut... Putain, non, on en a 5. Mais putain, ils sont drôlement... On va remettre tout ce qui est... record, ça on s'en fout. Le cutter plasma, qu'est-ce qu'on peut faire? On en a 5. 1, 2, 3, 4... Allez, on fait ça. C'est quand même l'arme de base qu'on utilise... Allez, sans regret. Hein. Le cutter plasma, quand même, c'est la vie, quoi. Si on veut faire quelque chose de jeu, c'est quand même l'arme de base. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande ici? Bonjour. Faut tout déplacer. Je regarde un petit truc. Je regarde un peu vite fait s'il n'y a pas un truc à looter. Non, là, il y a un... Ah, si. Voilà, 800 balles. Moi, ça m'arrive rarement hein, de tomber sur 800 balles. Hein. Je vous le dis tout de suite. Mais bon, a priori... Isaac, il est verni. Ok. Donc là, on va en refaire cette petite séquence. Ah bah non, c'est sauvegarde. Je pensais que c'était un... Ah, les sauvegardes sont rapides. C'est un vrai plaisir. Il y a des moments, là, je joue à Fatal Frame. Dans mon lit, la nuit, là. Le 3. Ah, les sauvegardes, c'est un enfer, hein. De la PlayStation 2, est-ce que vous êtes d'accord? Faut rentrer dans le menu, est-ce que vous êtes d'accord? Êtes-vous vraiment sûr? Faut choisir le fichier, ça met 15 ans. Oh là là! Là, quand on voit, même la génération passée. Puis peut-être parce que c'est le jeu sur PC. Oh putain! Là, la sauvegarde, ça dure 1 seconde 5. Oui, énergie plasma, ça m'intéresse. Des coupeurs aussi. J'ai l'impression que le jeu est encore vachement sombre sur la capture pour vous. N'hésite pas à me le dire dans le chat hein, si c'est trop sombre. Bon, ça donne une petite atmosphère. Hein. Évidemment, c'est toujours mieux que d'avoir plein éclairage. Moi, j'aime bien jouer quand c'est sombre. Hein. D'ailleurs, le Fatal Frame dont je vous parlais à l'instant, je le mets en sombre, vraiment sombre. Warper. Oui, évidemment. On va avoir peur. Bon, là, faut pas être grand clair pour avoir compris qu'il va falloir se servir du découpeur vu qu'ils viennent de nous enfiler deux. À moins que ce soit complètement random. Et dont je doute. En général, les jeux te donnent les armes dont tu as besoin. Voilà. Non, pas du tout. Ah bah, ils sont beaucoup plus faciles à tuer que dans le 1. Dans le 1, le trancheur ne fonctionnait pas aussi bien sur eux. Hein. Fallait vraiment leur découper leur mandibule. Bon, en même temps, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Mais j'ai remarqué que de toute façon, d'une façon générale, il y avait plus d'ennemis, il y avait plus action celui-ci. Et les ennemis sont plus faciles à trancher. Il est plus orienté déjà action, voilà. C'est déjà le prémisse de la catastrophe du 3. Mais bon, le 2 est un bon jeu. Hein. Le 3, j'imagine qu'il est sympathique à jouer en coop. J'y ai joué un petit peu en coop. Mais sinon, c'est un bon jeu d'action, mais c'est pas un bon Dead Space. C'est comme Resident Evil 5, quoi. Faut voir les choses comme ça. De mon point de vue, hein. On me souvenait plus du tout. Quoi, qu'est-ce? Ah oui. On peut le staser, même pas. Et bien heureusement qu'on a dû garder l'arme. Hein.
se fout de ma gueule. Très bonne arme celle-ci hein, pour les petits. À se souvenir. Évidemment, chaque arme a son utilité pour chaque type d'ennemi. Là, on vient d'en avoir un parfait exemple. Comme lui. Bon. Parce que sinon, c'est l'enfer. Là, les petits, là, si vous n'avez pas l'arme appropriée, là, c'est la mort en boucle. C'est la mort en boucle. Triste. Si, n'hésitez pas à me suivre, hein, si ça vous, si l'aventure vous plaît. Notamment pour ce soir. On va être à la partie 5 de Visage. Je vais encore me chier dessus, mais alors de puissance 1000. Ça va être parfait. Prends beaucoup de plaisir avec Visage. Bon, prends beaucoup de plaisir aussi avec Dead Space, mais Visage est un jeu qui me surprend. Surtout pour un jeu Kickstarter. Bon, allez, on y va. Je pense qu'on a tout looté hein, là. Je pense qu'on a tout pris. Attendez. Ah oui, je les aime pas du tout. Vous voyez ? D'une façon générale, les ennemis sont plus faciles à trancher. La tolérance, quoi, dans mon dos. Oula, il va vite lui. Hein. La tolérance. Mais qu'est-ce que quoi ? Ça, c'est dégueulasse. Ah merde, en plus il s'en fout de ce membre là. La tolérance, je disais. La permissivité, hein, je sais pas, je suis un peu dyslexique, est beaucoup plus large sur Dead Space 2. Hein. On tire un peu à côté, bon ça tranche quand même quoi. Qu'est-ce qu'il y a eu, hein. Et regardez ça, j'ai oublié ça. Oh merde, mais qui quoi de où? Putain, mais enfoiré. Non, non, mais en bas, il y a merde. Ça, c'est bien joué. Parce que... Enfin, je veux dire, c'est bien joué. J'ai envoyé l'arme secondaire. J'ai pas fait le trancheur, parce que sinon, le trancheur, je suis trop près et il m'explose à la tronche. On a loupé un kit de soins, un double, en plus. C'est pour ça que je redescends. Oui, la permissivité. Ah putain, je sais pas comment on dit. Hein. Est beaucoup plus large sur Dead Space 2. On tire un tout petit peu à côté, ça tranche. Et sur le 3, bah là, c'est même plus la peine. C'est-à-dire qu'on leur shoot dessus. Ils se tranchent tout seuls. Très efficace, hein, le trancheur. Le découpeur, pardon. Mais l'arme favorite, c'est ça. Hein. C'est celle-ci et puis celle-là, évidemment. Alors celle-là. C'est le pied. Autant dire les choses. Pas de fausse modestie, enfin pas de fausse pudeur. C'est le pied, ce jeu. J'adore trancher des nécromorphes. Certain que ce soit un message d'une grande bienveillance. J'ai entendu mourir, tu vas partir. Pas certain qu'elle veuille du bien, la Nicole.
Elle a beaucoup changé, Nicole, je trouve. C'est mon épouse. Elle a beaucoup changé. Dana, vous êtes là ? Je préfère Dana. Je suis en haut de l'église. Vous y êtes presque. Je vous attends près de la navette. On a un petit rencard avec Laina. Je sais pas si c'est Laina ou Dana, j'entends. On va dire c'est Dana. Ah, mais t'es tombé sur le mauvais cheval, mon gars. J'étais déjà armé, équipé, motivé. J'avais déjà mon trancheur. Oui, ce jeu, c'est ça que j'aime dans Dead Space. C'est que quand on s'y attend pas. Et heureusement que j'avais posé ma cigarette électronique. Heureusement. Faut être armé, équipé, motivé, hein. Tout le temps. Faut même pas aller aux toilettes. Faut être sur le qui-vive. Faut être au taquet, quoi. C'est joli, hein. Allez. On recharge vite fait ça. On a des lames de trancheur en plus, non? Là, le petit bureau, il y a forcément un truc. Oui, voilà, évidemment. Des javelots. Les javelots, je les utilise peu, mais je sais qu'ils sont très puissants. Je sais pas, c'est l'idée de lancer un javelot. Je préfère trancher. J'aime bien les épingler au mur, mais je sais pas, je préfère trancher. Puis aussi, il y a... Enfin, faut que je vous dise la vérité, en fait, au niveau du javelot. C'est qu'il faut viser mieux. Vous voyez, il y a juste un point. Alors que quand on a ça... Oh, dis donc. Là, on a beaucoup plus de mal pour louper sa cible. Hein. Oh, puis c'est beaucoup plus plaisant. Mais bon, le javelot, il y a une satisfaction, c'est que de bien jouer. Voilà, c'est qu'on vise bien, c'est précis. Oula. Non, c'est pas moi, c'est le chat. C'est pas moi, c'est le chat. Vous êtes une ethologue ? Évidemment. Oh, la traîtrise. Pourquoi je vous ai cru ? Vous n'aviez pas le choix, Isaac. Quand j'ai parlé du remède, vous avez marché. Pourquoi vous faites ça ? Vous ne pourriez pas me foutre la paix pour changer, hein ? Vous êtes très dangereux, Isaac. Le gouvernement ne veut pas vous voir détruire son précieux monolithe. Après tout, c'est votre œuvre. Qu'est-ce que vous racontez ? C'est pour ça que vous êtes ici. Construire des monolithes. Répandre sa glorieuse convergence à travers la galaxie. Je rêve, vous êtes complètement cinglés. Donnez-moi ce putain de remède que je me casse. On n'a pas l'intention de vous soigner, Isaac. Votre précieux petit cerveau nous convient parfaitement comme ça. La vilaine. C'était une vilaine. En fait, c'était une vilaine. Mettez-le dans la navette et plongez-le en état de stase. Il serait regrettable de le voir mourir. Ah bah voilà, bien fait. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Nom de Dieu ! On va dire. Retournement de situation. Oh, oui, boss. Ah bah non, ça c'est dégueulasse. Ça c'est... Ah, j'espère qu'il y a un checkpoint. Oui, il y a un checkpoint. Ça c'était dégueulasse de mourir comme ça alors que j'avais bien joué.
comprends pourquoi les gens aiment bien le 2. Hein. Je m'en souvenais plus qu'il était si bien. Faut tirer sur quoi? Je sais plus. Il m'a tué. Excusez-moi, toutes mes confuses. Je me souviens plus sur quoi il faut tirer. Ah merde, faut tout refaire. Ça c'est un peu con. Mange leur stase. Je sais plus sur quoi faut que je tire. Je change d'arme tout de suite parce que tout à l'heure j'avais pas la bonne arme. Peut-être simplement lui tirer dessus, mais je vois pas de point fragile, enfin de point de faiblesse. Le tirer sur quoi? Excusez-moi pour l'alarme. Il fallait tirer sur une des bonbonnes. Ça m'est venu là d'un coup. Bon. Isaac, ouh. Vous êtes là. Vous me recevez. Qu'est-ce qu'il y a, Strauss? Tout est fini. Mon plan a complètement foiré. Non, c'est pas fini. Du moins pas encore. Isaac, c'est notre œuvre. On peut la détruire. Quoi, le monolithe? Vous savez où est le monolithe, Strauss? C'est au siège étatique, c'est au siège étatique le secrétaire du gouvernement. Mais il faut contre, Mang. Parce que le temps presse pour moi, pour vous. Strauss, vous allez où? Merde. Ouh. Eh ben dis donc, là on a eu une séquence d'action non-stop. Lena qui avait l'air gentille finalement, c'était une vilaine. Hein? On peut dire les choses comme ça sans avoir peur de brusquer qui que ce soit. C'était une sacrée vilaine. Elle nous a trahis. Elle a trahi pour l'unitologie. En fait, ils ont besoin de moi pour construire des monolithes. Alors, je sais pas pourquoi et comment. Et nous, du coup, on va devenir pote avec le psychopathe. Bravo. Non, la séquence d'action, là, elle était mortelle. Hein. Je comprends pourquoi les gens préfèrent Dead Space 2. Moi, je me souvenais plus trop. Pour moi, c'était le 1 qui était le mieux. Mais là, c'est vrai que là, c'est pas mal. Hein. Pas mal du tout. Hein. Ça me dit quelque chose, cette histoire de machine à laver, là. Il n'y en a pas un qui était dans la machine à laver. On va voir ça. Hein. Souvenir de... Enfin, je veux peut-être... Tiens. Non, elle, la pauvre. La pauvre, elle n'a plus rien à dire. Au niveau machine à laver, elle va plus faire de machine à laver, elle. Hein. C'est terminé. Hein. C'est bon, elle a plus besoin d'en faire. Le linge est propre. Pour toujours. Ouais, ils me disent d'aller par là, du coup, moi je vais par là. Pour ramasser ça, et puis il y a certainement un petit point de force. Vous le savez qu'il y a un point de force. Je le sais. Et je sais que vous... Fusil chargeur. Ok. On a des trucs à revendre, hein. J'ai oublié hein, tout à l'heure. On a un conducteur semi-or. Et puis le lance-flamme. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais joué avec le lance-flamme. Je suis pas très lance-flamme. J'ai toujours l'impression, vous savez, dans les jeux vidéo, avec le lance-flamme, bah on l'utilise. Il se vide tout seul. Je sais pas. On sait pas à quelle proportion l'utiliser. On a l'impression de se faire baiser avec le lance-flamme toujours. On le vide pour rien sur un seul ennemi alors qu'en fait il suffisait peut-être de lui mettre que deux coups de lance-flamme. Enfin, pour moi le lance-flamme, l'histoire du lance-flamme dans le jeu vidéo, c'est toujours un... Ça a toujours été un souci. Hein. Là je confesse un petit peu les choses, mais je me dévoile, hein, disons. Mais c'est vrai que j'ai jamais été très fan du lance-flamme.
J'aime le lance-flamme, mais s'il était illimité. C'est marrant, il y a une alarme là, j'ai eu une alarme sur mon téléphone. Bon bah c'est tout hein. Et puis ici. Hein? Il est plein? Bah non, il peut pas être plein. Ah si, plein, mon inventaire est plein. Ah oui, mais alors attendez. Attendez. Non. Si c'est plein, on vire un truc. On vire ça. On dépose ça, et puis quoi d'autre? La vie, non, on la garde. Hein. Je suis désolé. Il peut pas faire un mix de ça avec l'autre? Voilà. Voilà, comme ça je recharge. Et du coup, on peut prendre l'autre. J'ai failli reprendre le... Et là maintenant qu'on a rechargé... Ah ben on peut reprendre l'autre, oh putain vous avez vu ça? Ce mécanisme de fou, hein? Ce cercle vertueux. Là, bon exemple de cercle vertueux, d'intelligence, d'analyse. Ils avaient peur de nous après les séances. Je m'en souviens, on était dans la machine pour les séances, les étapes. Je me souviens pas de tout ça. Vous avez une sacrée veine. Car sinon, ils reviendraient vous choper. Qui? Qui reviendrait? Qui? Tu vas répondre? Oh, bah dis donc. Est-ce que tu pousses vite? Où tu Strauss, vas? Ne le suivez pas, il n'est pas réel. Ok. Donc, ils se sont servis de nous, hein. Ok, on va prendre l'ascenseur, mais d'abord on regarde vite fait un petit coup là, on y a rien. Ils se sont servis de nous, mais alors combien de temps on a dormi là pour que l'unitologie devienne un peu comme ça Pareil curieux. Vu que c'est une religion, ils disent que c'est une religion qui s'est développée à travers tout l'univers. Le directeur Tightman, les unités survivantes ont l'ordre de battre en retraite. Je répète, battez en retraite vers le siège étatique. Entrée en vigueur de l'opération fin de partie. Nous devons nous préparer à perdre de nombreuses unités. Le directeur Tightman, les unités survivantes ont l'ordre de battre en retraite. Ok, ok. Compris. Allez, je tiens encore un petit peu, hein. Ça fait combien de temps là? 1h39. On est revenu. On est revenu. Bon, lui, on le connaît. Hein. Lui, on le connaît. Faut pas lui éclater le ventre, sinon il y a plein de saloperies qui sortent. Bien passé, mais alors putain, mais normalement là tu meurs en boucle, non? Oh, j'ai eu cette espèce de réflexe, il y en a qui est pas mort. Pouh. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on a dans le stock? On a plus que ça de soins. Quoi, quoi, quoi? J'ai eu
peur. Qu'est-ce qu'on peut s'acheter maintenant? Détonateur. Fusil chercheur. C'est vrai qu'on a, y a plein d'armes, mais bon, moi je préfère focaliser sur les armes que j'ai. Hein. Le jeu, on va pas perdre des points. On se prend un kit de soins moyen. On peut pas encore s'acheter des points de force. Hein. Par contre, il faut qu'on vende des trucs. Le conducteur or. Celui-là. Ça. Voilà, là on est bien. Ça c'est quoi? Énergie laser. Pour le choc laser c'est neuf. Mais on en a pas besoin nous. Voilà. Et on se reprend une... Voilà, là on est bien. Non, on reste sur nos armes de base. J'ai pas envie de faire le malin. Bon là on a plus rien. On se rachèterait peut-être un petit peu de trancheur plasma. Hein, je pense que c'est une bonne idée parce que là vraiment on n'a plus rien. Énergie plasma quoi. Ça coûte quoi, 1002? C'est par 6 qu'on les achète. Et puis ça. Allez hop. C'est bon. Ouais, c'est par 6. Ok. Allez, on continue. Putain, là, la séquence. Pouh. Ça aurait été un truc. On aurait pu mourir en boucle, hein. Vraiment. D'où? Ah oui, là, c'est une forme de petit tuto. Ça nous apprend que cette petite bête-là, quand on s'approche, elle propulse une espèce de gerbe d'or. Alors peut-être qu'on peut la baiser avec ce genre d'objet. Hein. Je me souviens plus. Voilà. Allez, exactement. Ça nous évite de utiliser des balles pour rien. Merde. Évidemment. Voilà. Il y en a un là? Ah non, il y en a un qui est là. Il est mort là? Oui. Alors ceux qui sont au mur, évidemment, on peut pas leur faire les auto-tuer, on va dire. C'est comme une forme de vie complètement con. Hein. Attendez, il y en a un autre. Ah oui, voilà. Oh, il peut pas nous toucher là. Ah, il y en a un autre là. On peut le tuer comme ça. Voilà. Vaut mieux y aller tout doux. J'ai souvenance que celui-ci. J'étais mort en boucle. Pas en boucle, mais. Une ou deux fois. Voilà. Voilà pourquoi. Quel plaisir d'y jouer sur grand écran, comme ça, en 4K. Ça change tout. Hein. L'expérience est vraiment pas du tout la même que sur PlayStation 3. Et lui là qui est caché là. Mais se réveiller, hein, c'est sûr. Bon, on a des points, on va déjà aller sur le plan. On en a qu'un. On va faire le découpeur. Moi j'aime beaucoup le découpeur, j'en suis désolé. Non. Le javelot, on s'est rendu compte que c'était quand même vraiment bien. La recharge est un peu longue. Trancheur massif. On va lui mettre plus de capacité. On en est où là? On est là. Là on peut lui remettre du dommage après. Allez, on fait ça. On le dépense ici, mais c'est pour la bonne cause, pour après. La stase aussi, il va falloir qu'on améliore. Évidemment. Une petite sauvegarde de l'amour.
Ah, ce qui est con. Puisqu'il y avait besoin d'un verrou de force juste ici. Qu'est-ce que je suis idiot. Ah, mes amis. Mais nous verrons ça demain. La suite, hein. La partie 3, demain, disons 15h. Hein, entre 15h et 14h. Mettez la cloche. N'hésitez pas à vous abonner. Tout est indiqué là. Bosseron 14. Sur YouTube, sur Instagram, sur Twitch. Pour me suivre. Et ce soir, à 11h, visage. Je vous incite grandement à faire. Ou à me suivre, le faire. Très très bon jeu, qui fait très très peur. Je vous dis à très bientôt, bah ce soir, voilà. Merci à tous, je vous embrasse. I fall asleep.